d'être venus aujourd'hui si nombreux à la conférence sur les SCI de Maître Berthet, la notaire de la Chambre des propriétaires. Je veux juste vous demander d'éteindre ou de mettre en veille vos téléphones portables pour pas que ça gêne la vidéo qui est juste derrière. Et je rappelle les règles. Donc, il y a la conférence d'abord. Et ensuite, vous pouvez poser vos questions, pas couper non plus Maître Berthet. Et la bonne conférence à tous. Et à tout à l'heure. Merci. Alors, au niveau du plan, on avait noté donc deux grands axes. La SCI, la préparation de la succession en amont, bien sûr. Et le grand 2, la SCI, bien sûr, et la réalisation de la succession, donc en cas de décès. Alors, la SCI, c'est un outil privilégié de gestion et de transmission successorale du patrimoine immobilier, mais également un outil de choix pour une optimisation fiscale. Ça a toujours été présenté en ce sens. Et c'est pour cela qu'on, en pratique notariale en tout cas, on retrouve très régulièrement des SCI qui sont parfois bien et parfois, dans certains cas, c'est plutôt inintéressant. Toutefois, les SCI est un outil qui doit être manié avec prudence et qui ne doit pas être systématique. En effet, dans certaines situations, la SCI peut se révéler être un choix trop contraignant et coûteux au risque de devenir un handicap. Alors, pourquoi créer une SCI ? Créer une SCI, ça peut également... Le premier intérêt peut être d'éviter l'indivision, faciliter la gestion, anticiper la succession, faciliter l'attribution, éviter l'indivision. Alors, pour éviter l'indivision, bien sûr, en cas de décès, si vous ne faites rien, les héritiers seront en indivision sur tous les biens qui sont compris dans votre patrimoine, dans le patrimoine de la succession. L'intérêt d'une SCI, si bien sûr vous la préparez en amont de la succession, donc de votre vivant, l'intérêt c'est de transmettre des parts sociales, donc d'intégrer vos enfants, vos héritiers, qui ne sont pas forcément vos enfants, dans le cadre d'une société. Donc ça leur permet alors ça permet bien sûr la transmission familiale du bien immobilier. Ça permet également d'impliquer les héritiers dans le cadre d'une gestion d'un bien immobilier. Et également, ça évite la question de l'attribution, qui peut être très difficile pour certaines personnes, et en fonction bien sûr du patrimoine, puisque bien sûr, la majorité des clients ne souhaitent pas avantager certains enfants par rapport à d'autres ou certains héritiers par rapport à d'autres. Et donc, dans ce sens, attribuer des parts sociales, c'est tout à fait neutre, c'est beaucoup plus facile. On a également un intérêt de stabilité. Alors, pourquoi de stabilité ? Parce qu'une indivision, vous pouvez tout à fait sortir de l'indivision. C'est la française qui dit que, bien sûr, on ne peut pas imposer à toute personne de rester dans l'indivision. Dans le cas des parts sociales, l'intérêt, c'est que dans le cadre, la SCI a une durée de 99 ans. Donc vous pouvez tout à fait créer un montage sur le long terme et intégrer vos héritiers en fonction de leurs désidératum. Je m'explique. Vous avez un bien locatif que vous intégrez à la SCI. Et vous avez des enfants, 4 enfants par exemple, qui ont des intérêts, eux, et des souhaits distincts. Alors, il y a certains héritiers qui souhaitent s'investir dans la gestion du bien locatif, d'autres qui ne souhaitent pas puisqu'ils sont à l'étranger, ils sont indisponibles, ils n'ont pas forcément le souhait de s'investir. Donc, vous pouvez, dans le cadre de la rédaction des statuts, établir plusieurs types d'héritiers et plusieurs types d'associés. C'est-à-dire des héritiers, donc des associés entre guillemets passifs, et d'autres associés qui peuvent bien sûr se voir attribuer des pouvoirs dans le cadre de la société. Donc ça, c'est tout à fait possible. En cas de conflit, du vivant ou en cas de décès, et bien certains, s'ils souhaitent quitter la société, il y aura un rachat de parts sociales, tout simplement. Et ça évite bien sûr le partage. Alors, faciliter également la gestion. L'intérêt également,
c'est que vous savez qu'en cas d'indivision, il faut la majorité pour gérer un bien immobilier. Et parfois même l'unanimité. Dans le cas d'une SCI, l'intérêt, c'est que vous avez quand même une facilité de gestion, puisque vous pouvez nommer des gérants qui ont tout pouvoir ou certains pouvoirs, et ainsi transmettre et faciliter la gestion des biens immobiliers qui sont intégrés dans la société. Alors, le cas classique, quel est-il ? C'est le cas, bien sûr, d'une SCI qui est constituée par les parents et par les enfants. Dans ce cas-là, souvent, majoritairement, on nomme les parents gérants et les enfants, bien sûr, associés non-gérants. L'intérêt, c'est dans le cas des statuts, on élargit l'objet social et on donne tout pouvoir aux gérants d'établir, bien sûr, et de gérer les biens immobiliers et également de réaliser des actes de disposition si nécessaire. L'autre intérêt de la SCI, c'est également de scinder les patrimoines. Or ça, c'est surtout dans un intérêt d'immobilier professionnel, notamment, de distinguer si vous avez une activité économique, une société d'exploitation, eh bien, votre activité économique est gérée par une société d'exploitation, souvent une SARL, et également l'immeuble, le local dans lequel s'exerce l'activité, sera détenu par une société civile immobilière. Donc vous distinguez bien l'immeuble du fonds d'exploitation. Alors attention, il y a plusieurs contraintes, notamment dans le cas de l'acquisition, quand la SCI achète directement un bien immobilier, il faut savoir que le droit de rétractation, en principe, n'est pas attribué à un acquéreur qui est une personne morale et notamment une société civile immobilière. Donc vous n'avez pas droit à ce délai de rétractation de vie. Également au niveau financier, alors certaines banques vous diront grâce à la SCI, vous aurez une capacité financière qui sera augmentée. Ça, c'est peut-être possible, tout à fait. Par contre, vous n'aurez pas, par exemple, de prêt à taux zéro. Ce sera beaucoup plus difficile. Également, les plans d'épargne logement ne seront pas attribués si vous achetez en SCI. Donc, il faudra vérifier ces plans-là en amont, avant d'acheter via une SCI. Alors, l'intérêt également, ce qui est également un des plus intéressants, c'est l'optimisation fiscale. SCI, optimisation fiscale. Est-ce que c'est souvent, c'est systématique ou est-ce que c'est selon, bien sûr, les cas ? Alors, la SCI dixit optimisation fiscale, ce n'est surtout pas automatique. Il faut surtout le prendre avec des pincettes. Alors, je m'explique. Une SCI, l'intérêt de créer un montage avec une société civile immobilière, le premier, c'est si vous contractez un prêt. Pourquoi ? Puisque dans le cas de donation de part sociale, donc de transmission de votre patrimoine en amont pour anticiper la succession, on va évaluer les parts sociales. L'évaluation des parts sociales, grossièrement, bien sûr, on retient l'actif de la société, donc notamment le bien immobilier qui est intégré à la société, et on déduit bien sûr le passif, et notamment l'emprunt. Les comptes courants d'associés sont également déduits. Si vous n'avez pas d'emprunt, les parts sociales de la société civile immobilière sont à peu près égales et équivalentes à la valeur de votre immeuble. Donc ça n'a aucun intérêt fiscalement, puisque quand vous allez donner les parts sociales à vos enfants, ce sont les mêmes frais et les mêmes droits de donation que si vous donniez un immeuble hors SCI. Par contre, l'intérêt et l'optimisation fiscale, c'est si vous achetez un bien immobilier via une SCI et vous contractiez un prêt. Alors, l'idéal, ce serait que vous contractiez 100% du prêt. Les parts sociales ne valent presque rien. Les parts sociales ont une faible valeur. Grâce à cette faible valeur, vous pouvez transmettre de nombreuses parts sociales à vos enfants.
c'est l'intérêt de l'optimisation fiscale, c'est l'intérêt d'acheter en SCI avec un prêt. Alors le montage classique, ce sont les parents qui achètent via la SCI un bien immobilier, souvent locatif, avec un prêt. Le prêt qui est contracté par la société civile immobilière. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on laisse passer un exercice social, souvent, et l'année suivante de l'acquisition, eh bien, ils transmettent les parts sociales à leurs enfants, soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Et là, on arrive sur le deuxième intérêt fiscal. L'intérêt fiscal du démembrement de propriété sur les parts sociales. Alors, cet intérêt, ce démembrement, a le même intérêt fiscal s'il porte sur des parts sociales ou sur un immeuble standard. La valeur d'usufruit et nue propriété dépend exclusivement de l'âge de l'usufruitier. Donc en fonction de l'âge de l'usufruitier, plus l'usufruitier, donc souvent les parents, prennent de l'âge, moins l'usufruit a de la valeur et donc plus la nue propriété diminue de valeur. C'est pour ça qu'on conseille toujours aux clients un démembrement de propriété, donc soit sur l'immeuble ou soit sur les parts sociales, le plus tôt possible. Donc dès 51 ans, on conseille souvent de commencer à transmettre le patrimoine à ses enfants. Toujours commencer par des biens locatifs. Attention, vous commencez toujours la transmission sur des biens locatifs, ensuite sur la maison familiale et en dernier lieu, la résidence principale. On reviendra dessus, mais attention, qui dit démembrement de propriété sur un immeuble dit bien sûr l'accord des enfants en cas de vente. Donc si vous dépossédez bien sûr de la nue propriété, il faudra en cas de vente l'accord bien sûr des nus propriétaires. A l'inverse, si vous faites un démembrement de part sociale, comme vous avez donné tout pouvoir au gérant, et vous avez également intégré des clauses d'agrément dans les statuts, vous avez bien sûr tout pouvoir pour vendre, pour acheter, sans besoin de demander l'accord, bien sûr, du nu propriétaire. Donc c'est également l'intérêt, hormis l'intérêt fiscal qu'on vient de voir, c'est l'intérêt également patrimonial et civil, puisque vous demandez, bien sûr, vous évitez de demander l'accord des nus propriétaires en cas de gestion, en cas de vente, en cas d'acquisition. Donc c'est un vrai intérêt de gestion. Alors le démembrement de propriété, l'intérêt fiscal, c'est que en cas de décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint en franchise de droit. C'est-à-dire que en cas de décès, le bien, si vous transmettez 100% à vos héritiers en nue propriété, le bien n'intègre absolument pas la succession. Plus tôt vous donnez, plus la valeur d'usufruit est importante, cet usufruit n'intègre pas la succession, donc n'est pas taxé. Vous avez un gain fiscal. Également, les héritiers sont présumés être pleinement propriétaires le jour de la donation. C'est un deuxième intérêt. Pourquoi ? Parce que s'ils sont présumés être propriétaires le jour de la donation, ça se traduit par un calcul d'impôt sur la plus-value, par exemple, qui sera diminué si, bien sûr, vous savez qu'au bout de 22 ans, vous n'avez plus d'impôt sur la plus-value, au bout de 30 ans, plus de prélèvements sociaux. Donc ça permet aux héritiers de bénéficier d'un certain nombre d'abattements en fonction de la durée, entre bien sûr le délai, entre la date de la donation et la date du décès. Et le troisième intérêt, c'est au niveau également de la plus-value, c'est-à-dire que le bien n'intègre pas la succession, donc si le bien a pris de la valeur, cette plus-value ne tombera pas dans la succession, ce qui est également un cadeau de l'administration fiscale. Dans le cas des parts sociales, c'est la même chose. C'est-à-dire que les héritiers sont pleinement propriétaires des parts sociales sans que les parts sociales ne tombent dans la succession, ne soient revalorisées.
la société, bien sûr, fonctionne avec les héritiers qui sont présents dans la société, donc les nus propriétaires. Attention, bien sûr, si vous avez un enfant unique, par exemple, il faudra penser à ce qu'il s'associe rapidement, puisqu'une société civile immobilière, vous avez besoin de deux associés. Alors, les droits de donation, comme vous savez, ils sont calculés sur la valeur nette des parts sociales, qui sont établies, bien sûr, par l'expert comptable. Vous avez un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Et les droits de donation, s'ils existent, bien sûr, sont réglés en principe par les donataires, donc ceux qui reçoivent des parts sociales, mais peuvent être pris en charge par le donateur sans requalification en donation. C'est un cadeau également de l'administration fiscale, il faut le rappeler. Donc l'intérêt de la SCI dans le cadre d'une succession, ou d'une préparation à une succession, c'est notamment la transmission en amont de votre patrimoine. Donc de répartir le patrimoine en fonction, bien sûr, de votre souhait et en fonction des souhaits de vos héritiers. La donation des parts sociales peut être faite en pleine propriété. L'intérêt fiscal, c'est s'il y a un prêt, il y a une déduction, bien sûr, une réduction de la valeur des parts sociales, de la valeur des parts sociales. Plutôt vous donner plus faible est la valeur des parts sociales, si vous attendez que le prêt est remboursé, la valeur sera également la même que si vous aviez donné l'immeuble hors société. Également, vous pouvez donner les parts sociales en nue propriété aux enfants. Et là, vous bénéficiez de deux intérêts fiscaux, c'est-à-dire le premier, s'il y a un prêt, une réduction de la valeur des parts sociales. Et le deuxième intérêt, bien sûr, c'est la réduction de la base taxable, puisque vous donnez seulement la nue propriété. Et plus usufruit, bien sûr, s'éteint en franchise de droit, en franchise d'impôt. Alors attention à donner aux enfants, quand vous donnez aux enfants la nue propriété des parts sociales, je préconise toujours aux clients de conserver au moins 1% des parts sociales en pleine propriété. Pourquoi ? Parce qu'on a une jurisprudence fluctuante, une doctrine également qui ne s'est pas positionnée sur la qualité d'associé et qui nous dit que l'usufruitier n'a pas forcément de la qualité d'associé. Alors attention également, si vous conservez 1% des parts en pleine propriété, en principe, la société va tomber dans la succession en cas de décès, puisqu'il y a 1% des parts en pleine propriété qui devraient, en principe, être intégrées à la succession, puisque ce pourcentage n'a pas été donné en amont, donc du vivant du client. Alors souvent, plusieurs années après, on se charge bien sûr d'un acte de donation de ce pourcentage pour éviter que la société, donc ce pourcentage, intègre la succession pour éviter des contrariétés administratives et des frais, bien sûr. Pour la donation des enfants, plusieurs points à évoquer. Ce qui est très important, bien sûr, c'est la clause d'agrément. C'est-à-dire que si, en cas de décès, les héritiers, bien sûr, sont, en principe, pleinement propriétaires des parts sociales en fonction de la donation. Si vous ne faites rien, et si vous détenez, bien sûr, une SCI, les parts sociales reviennent à tous vos héritiers. Vous pouvez, bien sûr, si vous souhaitez transmettre à votre conjoint, à votre partenaire de PACS, à votre concubin, vous pouvez également intégrer des clauses d'agrément. Les clauses d'agrément, c'est-à-dire qu'en cas de décès ou en cas de cession à titre onéreux, vous avez l'obligation de demander l'accord des autres associés. Alors tout simplement, si vous voulez transmettre à votre conjoint, à votre concubin ou à votre partenaire de PACS, c'est également intéressant de demander une clause d'agrément, donc de demander l'accord à votre compagnon, si vous souhaitez éviter que les enfants n'intègrent la société, par exemple. Ils seront bien sûr, en France, dédommagés via une soulte, notamment, dédommagés en valeur. Alors, quel bien peut-on apporter à la SCI ? Est-ce qu'on peut apporter tous les biens à une société civile immobilière ? On peut bien sûr apporter n'importe quel bien à la société civile immobilière. Il y a
comme je disais antérieurement, plusieurs contraintes. La première, c'est si vous intégrez la résidence principale. Alors, ce qui peut être très bien dans certains cas, et notamment si vous êtes paxé ou si vous voulez transmettre à une personne avec qui vous n'êtes ni marié ni paxé, ça peut être intéressant, on va le voir plus tard. Par contre, résidence principale dit également des contraintes, puisque il y a, donc je vous en avais parlé, les plans d'épargne logement, le compte épargne logement, l'inapplication des taux, des prêts à taux zéro, qui ne fonctionnent pas dans le cadre d'une acquisition de la résidence principale. Également, que vous connaissez sûrement, le droit temporaire et le droit viager au logement. La protection du conjoint en cas de décès, il a droit à un droit temporaire au logement, c'est-à-dire il a le droit de rester dans le logement de la famille pendant un an à compter du décès. Le droit à viager au logement, c'est un peu plus long, c'est jusqu'au décès du conjoint. Dans ce cadre-là, si la SCI détient la résidence principale, eh bien ces droits, qui sont très importants pour le conjoint survivant, qu'on doit rappeler aux clients et leurs conseillers en cas de décès, ces droits ne sont pas applicables. Également, les deux autres contraintes sont des contraintes fiscales. C'est la réduction dans le cadre de l'IFI et dans le cadre de la succession, déclaration de succession. Vous savez que vous avez un abattement de 30% dans le cadre de l'IFI pour votre résidence principale. Si la SCI détient la résidence principale, ces 30% ne sont pas applicables. Idem pour la déclaration de succession. Dans le cadre de la déclaration de succession, on évalue le patrimoine du défunt à l'instant T, c'est-à-dire à la période du décès. Pour l'évaluation, ça nous permet bien sûr d'établir l'actif de la succession et également le passif de la succession. Dans le cas de la résidence principale, l'administration fiscale, bien sûr, fait bénéficier les héritiers d'une réduction de 30%. De 20%, pardon, dans le cas de la succession, et 30% pour l'IFI. Si la SCI détient la résidence principale, eh bien cette réduction de 20% n'est pas applicable. Quand créer une SCI? Alors, vous pouvez la créer dès la constitution du patrimoine, ce sera le plus simple. Vous achetez, vous avez un projet d'achat, vous constituez, vous signez la promesse de vente en nom personnel. Et entre la promesse de vente et la vente définitive, vous constituez la société. C'est le premier cas. Alors, l'intérêt, c'est qu'il n'y aura pas, bien sûr, de frais particuliers. Il y aura juste les frais de constitution de la société et ensuite les frais d'acquisition standard. Vous pouvez également, après la constitution du patrimoine, finalement, vous avez acheté un bien immobilier avec un prêt ou sans prêt, et vous souhaitez l'apporter à la société pour un intérêt de gestion ou un intérêt fiscal. Alors, c'est tout à fait possible. Donc vous apportez le bien à la société. Deux cas. Si c'est en cours de constitution de la société, vous n'avez pas de droit d'enregistrement à régler, donc de frais. C'est juste les frais d'acte d'apport. Et si par contre, la société est déjà constitué, là il y aura un droit d'enregistrement qui devra être réglé. Et également des plus-values, s'il y a des plus-values qui ressortent, il y aura un impôt sur la plus-value à régler également. Dans le cas de la constitution, donc de l'apport à un bien immobilier, attention, s'il y a un prêt, il faudra bien sûr en informer votre banque, et il faudra bien sûr rééditer une offre de prêt, puisque le prêt devra être au nom de la société. Donc il faudra bien sûr le préparer en amont avec votre banquier avant d'établir un projet d'acte. Alors la création d'une SCI requiert diverses formalités, rédaction des statuts, l'enregistrement auprès du Trésor public, l'immatriculation au RCS, il faudra penser bien sûr à ouvrir un compte bancaire et à verser le capital social. Alors au niveau des frais, on est à peu près au niveau des formalités, à 500 euros à peu près TTC concernant l'immatriculation de la société. Donc, toutes les formalités pour la création de la société. Ensuite, s'ajoutent bien sûr les frais de rédaction
du projet de statut. Dans le cas de la rédaction des statuts, il faudra bien sûr penser à l'objet social. Donc quel objet social, si vous créez une société dans le cadre d'un intérêt de gestion, il faudra bien sûr élargir l'objet social pour donner tout pouvoir au gérant. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, nommer et désigner les associés. Il faut au moins deux associés. Attention, l'objet social, d'où le nom de la société, Société Civile Immobilière, il faut que ce soit un objet civil, exclusivement civil. Il y a une tolérance, bien sûr, à l'administration qui dit qu'on ne peut pas dépasser 10% d'activité commerciale. Mais attention, si vous dépassez, eh bien vous serez soumis fiscalement, c'est la sanction première, à l'impôt sur société. Dans le cas de la rédaction des statuts, il faudra également penser donc, au pouvoir du gérant vis-à-vis des associés, vis-à-vis des tiers. Est-ce qu'il a tout pouvoir dans le cadre de l'objet social ou est-ce que vous voulez qu'il convoque une assemblée générale pour, en cas de vente, en cas d'achat, d'acquisition, en cas de location, en cas de gestion. Donc il faudra se poser toutes ces questions. Il faudra également se demander si, en cas de cession à titre onéreux ou cession à titre gratuit, est-ce qu'on a besoin de demander l'accord, bien sûr, des associés. C'est une vraie question. Également, en cas de démembrement de parts sociales, il faudra se demander également, et il faudra également traiter dans le cadre des statuts, parce que plus vous traitez tous les sujets, entre guillemets, conflictueux, ou éventuellement conflictueux, il n'y aura pas de soucis à venir. Et en cas, bien sûr, d'ouverture de succession. Il faudra ainsi traiter le traitement du prix de vente. Si le bien est vendu, quid du prix de vente? Est-ce que c'est l'usufruitier des parts sociales qui va percevoir le prix? Est-ce que ce sont les nus propriétaires, donc les enfants ou d'autres héritiers, qui percevront le prix de vente? Et également les bénéfices ordinaires, c'est-à-dire les revenus de biens locatifs. Qui percevra ses revenus? Bon, rapidement, une SCI, ça peut être bien sûr une SCI standard, mais ça peut être également une SCI familiale. Alors, les SCI familiales, il y a une certaine distinction. Alors, bien sûr, les SCI familiales doivent être constituées entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré. L'intérêt, c'est que dans le cas d'une SCI, vous avez ordinaire, la durée du contrat de location devrait être au moins égale à 6 ans. Pour les SCI de famille, la durée est moins longue, donc c'est une durée de 3 ans. Vous avez également, dans le cas des SCI classiques, vous êtes privé du droit de donner congé pour habiter aux locataires. Vous ne pouvez pas exiger un cautionnement de vos locataires. Donc, il y a certaines contraintes. Contrairement aux sociétés de famille, donc aux sociétés civiles de famille, où là, dans ce cadre-là, vous pouvez demander un cautionnement et vous pouvez, dans certains cas, transmettre un congé à vos locataires. Alors, avec qui créer une SCI? Donc, vous pouvez créer une SCI avec qui vous souhaitez, bien sûr. Vous pouvez créer entre concubins, entre partenaires de PACS, entre personnes mariées en vue de transmission ou en séparation de biens, pour atténuer le régime. Une SCI, en principe, un objet civil. Objet civil dit location non meublée. Donc on conseille toujours aux clients, en cas de SCI, surtout, louez-le en meublé. En non meublé, pardon. Vous suivez, ça me fait plaisir. En non meublé. Si vous louez en meublé, l'administration fiscale vous contrôle. La sanction est l'impôt sur société, c'est-à-dire que vous subissez l'impôt sur société. Alors l'intérêt de constituer une SCI entre partenaires de PACS et conjoints, l'intérêt c'est surtout d'éviter l'indivision avec les enfants. Je m'explique, si vous ne faites rien, la résidence principale sera transmise ou un autre bien immobilier sera transmis souvent en indivision
avec le conjoint et les enfants, selon bien sûr l'option du conjoint survivant. Il n'y aura pas d'indivision s'il opte bien sûr pour l'usufruit portant sur l'intégralité du patrimoine du défunt. L'intérêt de la SCI sur une résidence principale, c'est que le conjoint sera sûrement, le conjoint survivant a été nommé sûrement gérant, aura tout pouvoir pour acheter, pour vendre et pour gérer la résidence principale. Donc c'est l'intérêt bien sûr des héritiers. Le premier, c'est que le conjoint survivant garde le contrôle sur la résidence principale. Et le deuxième intérêt, c'est que vous pouvez également intégrer des clauses d'agrément pour éviter que les enfants intègrent la société. Ça, c'est surtout demandé dans le cadre d'une famille recomposée, par exemple. Alors, la SCI également peut être créée entre concubins ou entre héritiers, entre personnes avec qui vous n'avez aucun lien juridique, c'est-à-dire ni pacsé, ni marié, ou ni membre de la famille. Ça peut être tout à fait possible. Alors, l'intérêt, c'est que, comme vous savez, quand vous êtes marié ou pacsé, vous n'avez aucun droit de succession, quand vous bénéficiez, bien sûr, du patrimoine du défunt, quand vous héritez, contrairement à un concubin, où là, par contre, malheureusement, vous avez des droits de donation, des droits de succession également, à hauteur de 60% du patrimoine. Le fait d'intégrer une SCI, vous pouvez intégrer donc le concubin ou la personne ou une autre personne de votre choix, et vous pouvez transmettre des parts sociales en démembrement croisé. Alors rapidement, vous créez une société, chacun est propriétaire à hauteur de 50% des parts sociales, c'est le montage le plus classique, et ensuite il y a un échange, un acte d'échange qui se prépare concernant 50% des parts sociales de l'un et de l'autre concernant l'usufruit ou la nue propriété, c'est-à-dire que l'un échange son usufruit avec l'usufruit des parts sociales de l'autre. Et ça permet à chacun d'avoir la moitié des parts sociales en usufruit et l'autre moitié en nue propriété. Bon. L'intérêt final en cas de décès, donc d'ouverture de la succession, le concubin se retrouve être pleinement propriétaire de la moitié des parts sociales et être usufruitier de l'autre moitié des parts sociales. Les héritiers du concubin défunt ne seront pas lésés puisqu'ils seront nus propriétaires de la moitié des parts sociales du défunt. Donc c'est tout à fait un montage qui peut être possible pour des partenaires, pour des concubins, pardon, et pour éviter ainsi les droits de succession. Alors, quid des SCI avec les mineurs? Vous souhaitez transmettre votre patrimoine en amont et intégrer des enfants ou des petits-enfants mineurs. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible d'intégrer des mineurs. Alors attention, il faut bien sûr la signature, donc l'accord des deux parents qui détiennent l'autorité parentale. Alors, ils peuvent être divorcés, mais il faut absolument qu'ils interviennent dans la création des statuts. Si malheureusement il y a un décès, de toute façon, on se fonde sur l'autorité parentale. Qui a l'autorité parentale? Alors attention, il y a quand même des règles, une réglementation. Un enfant mineur, par exemple, ne peut pas être gérant. Il faudra qu'il soit simple associé. Idem pour l'enfant majeur protégé. L'intérêt de l'intégrer dans la SCI, c'est qu'il aura des revenus, des ressources ultérieurement. Et ça permet également un intérêt de gestion, puisque les parents restent bien sûr gérants de la société, donc s'occupent bien sûr des actes de gestion, de disposition des biens immobiliers qui intègrent la SCI. Alors rapidement, la SCI, la réalisation de la succession. Donc les montages fiscaux et les montages patrimoniaux ont été établis en amont par le notaire et vos conseillers également. La personne décède, on a une ouverture de la succession, et bien la transmission des parts sociales, bien sûr, se fait tout simplement, soit dans le cadre de la succession, si vous n'avez pas transmis intégralement les parts sociales, ou soit hors succession, puisque les enfants sont présumés pleinement propriétaires des parts sociales au jour du décès. Donc
la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, bien sûr, et continue en principe avec les héritiers, les légataires, s'ils ont été désignés par testament, sauf à prévoir dans les statuts qui doivent être agréés par les associés. Donc c'est le sujet de la clause d'agrément. Quand on élabore un montage patrimonial, il faut toujours avoir à l'esprit et présenter à l'administration fiscale tous les intérêts de ce montage. L'intérêt fiscal, bien sûr, qui est prépondérant, mais vous avez également l'intérêt de transmission, l'intérêt de gestion, l'intérêt bien sûr de répartition du bien, de scission. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté en première partie tous les intérêts qui peuvent être apportés, bien sûr, dans le cas d'un montage avec une SCI. On a également l'acte anormal de gestion. Alors l'acte anormal de gestion, c'est très facile. Pour éviter cette qualification d'acte anormal de gestion, vous vous demandez si ce montage est en corrélation entre intérêt de la société et le coût qui est supporté. Donc, il faut surtout vous demander systématiquement si il y a un intérêt pour la société ou si l'intérêt est plutôt porté sur les associés. Voilà. Je m'explique. Une cession d'usufruit, par exemple, vous cédez l'usufruit des parts sociales, par exemple, à une autre société ou à une personne. Si vous l'évaluez mal, vous pouvez être qualifié en acte anormal de gestion. C'est-à-dire, c'est le cas classique d'une société qui achète très cher l'usufruit des parts sociales, mais qui en contrepartie n'a aucun bénéfice. Bon, là, c'est typiquement le cas. Ça permet d'enrichir certains, mais par contre, ça appauvrit la société. Donc, si c'est ce cas, bien sûr, ça sera requalifié en acte anormal de gestion. Est-ce que vous avez des questions ? Si elle vend l'usufruit très cher, c'est intéressant pour la société qui vend. Par contre, la société qui reçoit, donc qui achète l'usufruit, c'est là, dans ce cas-là, où il y a un acte anormal de gestion pour la société qui achète cet usufruit très cher, si bien sûr, ce n'est pas corrélé sur la réception des bénéfices. Puisque si elle acquiert un usufruit onéreux, mais qu'en contrepartie, elle reçoit un certain bénéfice, là, il n'y a pas aucun sujet. Par rapport à l'emprunt, il n'y en a pas. L'emprunt, c'est tout à fait possible. Il y a un emprunt. La valeur des parts sociales sont réduites du fait de l'emprunt. Donc là, il n'y a pas de requalification. Hein. Et le remboursement se fait par la société. Donc si la société n'a pas de bénéfices, si elle n'a pas de revenus, exactement, ça doit être, bien sûr, les associés. De toute façon, doit être souscrit par la société. Donc c'est le banquier qui va, bien sûr, eu égard aux associés. Après la création de la société. Exactement, c'est ça. L'emprunt, de toute façon, l'offre de prêt sera éditée que quand la société sera immatriculée. Donc la banque aura besoin d'un CADIS. Alors, les emprunts, vous pouvez tout à fait, dans le premier cas, soit les parents empruntent, prêtent aux enfants, pardon. S'ils prêtent aux enfants, soit ils prêtent hors cadre sociétaire, c'est-à-dire qu'ils prêtent une somme d'argent aux enfants, qui eux-mêmes vont apporter cette somme d'argent au capital social de la société pour recevoir, bien sûr, en contrepartie les parts sociales. Ça, c'est la première chose. Ça peut être tout à fait possible. Il faut aller directement soit chez un notaire, soit auprès du centre des impôts. C'est tout à fait gratuit auprès du centre des impôts, donc c'est ce que je conseille souvent aux clients. Deuxième cas, sinon, directement dans le cadre de la société, où les parents, bien sûr, versent sur un compte courant d'associé une certaine somme pour pouvoir acheter. Et là, c'est un compte courant d'associé et qui devra être soit remboursé par les autres associés, soit ça tombera, bien sûr, dans l'actif de la succession. Alors ça s'appelle le montage quasi-usufruit. Ça permet, bien sûr, de conserver l'usufruit sur une somme d'argent par les parents.
tout à fait possible d'incorporer le compte courant d'associé au capital de la société. Alors l'intérêt, c'est que souvent ce sont les parents qui intègrent ce compte courant d'associé et qui permet bien sûr de recevoir des parts sociales en pleine propriété. Par contre, il n'y a pas d'intérêt patrimonial puisque là, il n'y a pas de transmission des parts sociales aux enfants. Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre du prêt familial, l'administration fiscale va demander, de toute façon, une échéance. Si les héritiers, en tout cas, si celui qui bénéficie du prêt ne rembourse pas le prêt, il faudra après se rapprocher de l'administration fiscale pour proroger peut-être le délai de remboursement. En tout cas, ce que je dis toujours, ce que je préconise aux clients, c'est qu'en cas de prêt, il faut absolument avoir à l'esprit de pouvoir le rembourser. S'il n'est pas remboursé, puisqu'on avait noté, par exemple, dans le cas du prêt, une échéance à 15-20 ans, le prêteur, donc souvent les parents, décèdent avant, le prêt sera dû intégralement au jour du décès. Voilà, dans le cas de la succession. Le prêt n'est jamais volatilisé. L'administration fiscale vous retrouvera. Alors non, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai particulier. Et après, bien sûr, à la vocation à acheter des biens immobiliers, mais vous pouvez tout à fait créer une SCI et puis attendre, bien sûr, l'opportunité pour acheter avec les enfants. C'est que vous achetiez, sinon, un bien locatif avec vos enfants, nue propriété des enfants et usufruit, vous. Ça, c'est tout à fait possible. Ça évite la société, ça évite le coût de création de la société, donc c'est également envisageable. Attention, il faudra également penser au financement de la nue propriété par les enfants. Donc là, on revient sur un prêt familial ou bien sûr une donation de somme d'argent par les parents au profit des enfants. Et vous pouvez tout à fait acheter des biens immobiliers avec les enfants hors cadre sociétaire. Alors là, c'est l'intérêt, bien sûr, l'intérêt de gestion, c'est-à-dire que vous voulez apporter les biens immobiliers dans le cadre d'une société, puisque vous êtes nombreux, certains souhaitent gérer et certains ne souhaitent plus gérer, donc vous pouvez tout à fait intégrer tous les enfants, par exemple, dans le cadre de la société. Ça permet d'éviter d'avantager certains enfants, puisque tous les enfants recevront les bénéfices, bien sûr, du bien, s'il y a si ça génère des revenus. Et également de transmettre certains pouvoirs à certains héritiers qui souhaitent s'investir dans la société. C'est tout à fait possible. Et là, c'est un intérêt de gestion. Alors, c'est un acte d'apport immobilier. Donc là, il y aura le sujet des plus-values, s'il y a plus-value. Et également, bien sûr, il y aura un droit d'enregistrement réglé qui est de 5%. Mais par contre, bien sûr, si la société est déjà créée, donc il y aura ce droit d'enregistrement réglé plus les frais d'acte d'apport relatifs à l'acte. Alors ça, en principe, non. Dans le cas de SCI, il n'y a pas de rémunération qui est comprise. Alors bien sûr, après, il y a les charges à déduire, les charges d'exploitation. On peut tout à fait déduire, dans le cadre de la gestion de la société, les factures issues de ces frais de gestion, exactement. Exactement. Les frais de comptabilité, les frais de gestion, les frais kilométriques s'ils se déplacent pour s'occuper, bien sûr, de la gestion locative. Ça, c'est tout à fait possible. Et il peut créer également en parallèle une société d'exploitation pour que la SCI puisse facturer, bien sûr, la société d'exploitation, si vous avez plusieurs biens immobiliers. Merci, Maître Berthet. Merci pour votre éclairage, à la fois civil et à la fois fiscal, sur cet événement inéluctable qui est la succession et l'événement qu'il faut passer. Alors, vous avez mis en lumière un petit peu des points qui sont essentiels par le qui existe de la SCI,